Le patron de l'UFC dit qu'il doit être le prochain adversaire de Khabib Nurmagomedov. Le président de l'Ultimate Fighting Championship UFC, Dana White, estime que le combattant d'arts martiaux mixtes Tony Ferguson doit être le prochain adversaire du champion russe de l'UFC Khabib Nurmagomedov. Interrogé par Ozan ESPN sur le meilleur adversaire pour le prochain combat de Khabib Nurmagomedov, le président de l'UFC a d'abord affirmé qu'il n'avait jamais été question d'organiser une revanche entre McGregor et Nurmagomedov dans l'immédiat. Je n'ai même pas pensé à la revanche contre McGregor, je sais que Conor veut une revanche. Mais nous devons faire cela de manière juste. Nous verrons ce qui se passera. Mais nous n'avons pas pensé à cela encore, a-t-il fait savoir. Quant à un potentiel combat de boxe contre Floyd Mayweather, White affirme qu'il ne faut pas y prêter attention. N'y faites pas attention. Tout d'abord, l'équipe de Mayweather ne nous a pas approchés, Khabib est sous contrat avec l'UFC. Nous n'avons parlé à personne de l'équipe Mayweather, a-t-il déclaré à propos de l'éventualité d'un combat du champion russe contre le boxeur Floyd Mayweather. Dana White a affirmé que la seule option logique pour Khabib était d'affronter son challenger numéro 1, Tony Ferguson. En tant que fan de combat, vous devez être pour Tony. Tony avait la ceinture, il a tordu son genou et a été destitué. Tony n'a jamais perdu sa ceinture dans un combat. C'était le cas de Conor, mais Conor a eu l'opportunité de combattre contre Khabib. Je pense que Tony mérite d'être le prochain, a conclu Dana White. L'UFC a sans succès programmé un combat Ferguson versus Nurmagomedov à 4 reprises. Cette fois ce sera la 5e tentative. Un combat entre Ferguson et Nurmagomedov dans le cadre du tournoi UFC 223 n'a pas eu lieu car Ferguson avait tordu son genou. Le 9 octobre, Tony Ferguson avait déclaré qu'il était prêt à entrer dans l'octogone contre le combattant russe. À Las Vegas le 6 octobre 2018, Khabib Nurmagomedov a défendu son titre de champion de l'UFC en remportant la victoire sur Conor McGregor au 4e round par un étranglement arrière. Mais immédiatement après le combat, il a sauté hors de l'arène et déclenché une bagarre avec un représentant du camp adverse, Dillon Dunne. Comme le sportif lui-même l'a expliqué plus tard, il a réagi de la sorte car il ne pouvait pas tolérer les insultes du membre du clan de McGregor. Dans la foulée de sa victoire sur Conor McGregor le 6 octobre dernier, le champion de l'UFC Khabib Nurmagomedov a lancé un défi au boxeur américain Floyd Mayweather. Précédemment, le père de Khabib avait déclaré que pour une revanche de McGregor, lui et son fils voudraient toucher 5 fois plus que Conor.